Sur cette terre aride à Errachidia s'épanouissent des arbres dont la taille ne dépasse pas les 10 mètres. Cette plantation nous vient de loin, de l'Inde. L'arbre porte un nom aussi exotique que son aspect, le Moringa. Derrière son introduction au Maroc, l'homme en blouse blanche, Mohamed Ben Barghat. Cela fait 9 ans qu'il s'est lancé dans ce défi d'agriculture verte. Changement climatique oblige. كان واحد الصالون الفرفود جات واحد السيده من برا ودارت واحد ستاند ديالها. Dans le cadre de ma participation au salon d'Erfoud, j'avais rencontré une exposante étrangère qui m'avait encouragée à développer cette culture qu'elle qualifiait de prometteuse. Elle m'avait vendu les graines de cet arbre et avait fait le déplacement d'Errachidia pour m'accompagner dans le lancement de cette plantation. C'était bien parti, mais au tout début, notre produit ne trouvait pas preneur. Et petit à petit, le Moringa a commencé à se faire connaître au Maroc. Ainsi, nous avons commencé à vendre notre produit et à faire écouler également les graines de cet arbre, au cas où d'autres agriculteurs songeraient à nous emboîter le pas. La culture du Moringa fait partie de l'agriculture alternative dans le système oasien, principalement au niveau de la région de Drat Filalt. La particularité de cette culture, c'est qu'elle s'adapte aux conditions climatiques de la région et résiste à la salinité du sol. Aujourd'hui, l'initiateur de ce projet agricole récolte le fruit de son labeur. Les jeunes feuilles de l'arbre sont valorisées. Elles servent à faire de bienfaisantes infusions. Elles sont aussi comestibles, cuites comme les épinards. Aussi, les graines de cette surprenante plantation contiennent-elles 40% d'huile aux multiples vertus. Nous extrayons l'huile de moringa de ces graines. Elles sont broyées à l'aide d'une machine. Un kilo nous donne 100 centilitres d'huile de moringa. La demande est telle qu'on n'arrive pas à la satisfaire en entier. Le moringa, cette plante que l'on appelle aussi l'arbre de vie. Un vrai trésor vert, réputé pour ses valeurs nutritives. Une culture à fort potentiel de développement économique.